J'ai commencé au PDCI. Je dirais, je suis né au PDCI. À Hongrie, j'étais le président du comité de base PDCI. Ensuite, je suis passé secrétaire général de Hongrie Star 11-12 jusqu'à aujourd'hui. En 2018, moi, en tant qu'autorité municipale à Botro, j'ai jugé utile d'aller servir le PDCI à Botro. Alors, on m'a transféré mon titre de membre du bureau politique à Botro pour servir avec M. Copress, qui est le délégué Botro 1, servir le PDCI à Botro. Sans vouloir prendre la place du délégué, qu'est M. Copress, à mon humble niveau, je compte mener des actions pour raviver le PDCI dans la tête de nos militants à Botro. Vu toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, on a plus que besoin de militants vaillants, de militants qui motive d'autres pour militer au PDCI. Donc, je dirais, je me mets à la disposition de mon délégué. Toute action qu'il voudrait initier pour que nous gagnions de nouveaux sympathisants, de nouveaux militants, je suis partant. Parmi les actions que nous allons mener pour gagner encore des militants, comme nous sommes dans une zone rurale, bien que Botro soit une ville, il faut que les différents secrétaires généraux, les différents comités de base aient des moyens de locomotion pour passer le message du PDCI dans la zone. Donc je pense que un militant comme moi, cadre de la région, avec le concours du délégué, je vais offrir des moyens de locomotion afin que le message du PDCI qui va parvenir dans la zone de Botro puisse être véhiculé convenablement, afin que nous gagnions encore des militants pour les prochaines batailles. Moi-même, étant fils de Botro, je sais un peu les difficultés de nos frères et sœurs militants du PDCI. C'est les motos, en fait, que je vais offrir aux différentes sections, pas à un individu, mais aux différentes sections, afin que chaque fois que nous avons un message à passer, que ce message-là puisse atteindre les militants au plus profond de Botro. Ce jour-là, nous allons inviter les différents composants du PDCI à Botro pour venir réceptionner, pour venir assister à cet événement qui est, je dirais, assez majeur. Nous avons un grand défi devant. Vous l'avez vu la dernière fois à Yamoussoukro. Ce que vous avez vu doit être repris dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Que ce soit par le délégué, que ce soit par un cadre, ça doit être repris pour que les militants sachent que le PDCI vit. Et le PDCI vivra à Botro par ces actions que nous allons mener, par ces actions que je vais mener. Effectivement, l'événement va avoir lieu le 2 novembre 2019 au stade de Botro. Je voudrais encore dire que ce jour-là, qu'on soit président du comité de base, qu'on soit militant PDCI, qu'on soit secrétaire général du PDCI, qu'on soit JPDCI, qu'on soit UFPDCI, je souhaite la présence de tous. Ces personnalités que j'ai citées seront effectivement présentes.
à partir de 9h. Soyez nombreux, chers militants, pour venir assister à votre cérémonie. Elle est la vôtre, cette cérémonie. Je voudrais profiter de votre question pour dire d'abord merci. C'est vrai que l'événement ne s'est pas encore passé, mais des gens ont permis que ces événements puissent avoir lieu. Je voudrais citer le vice-président Kwame Krah Joseph, qui m'a donné de la confiance pour ce que je veux faire à Botro, qui m'a mis en confiance. Je voudrais remercier aussi le délégué, M. Yao Goumo Célestin d'Ico-Presse, lui dire merci pour avoir autorisé, parce que c'est lui le délégué. Il aurait pu dire non, mais il a dit non. Frère, vas-y, je suis avec toi. Je voudrais aussi lui dire merci. Dis merci à tous ceux que j'ai invités, M. Doulaye Koulibaly, qui a accepté d'être là. Dis merci à M. Marius, qui a aussi accepté d'être là.